Quel âge j'ai et j'ai déjà tous ces soucis-là dans ma vie maintenant. Même quand je suis tranquille dans mon coin, les problèmes viennent me chercher. Hein? Je n'ai pas de petite amie, je n'ai pas de travail. Mais malgré ça, les problèmes sont sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal dans ma vie pour souffrir comme ça? Est-ce que je suis venu sur cette terre pour souffrir? Je ne comprends pas. Jusqu'à quand les problèmes seront derrière moi, alors que je suis un garçon sage, un garçon sérieux? Bonsoir mon frère. Comment tu vas? Ça va. À chaque fois, il te voit dans les problèmes. À chaque fois, tu es assis, tu penses, je sais pas ce qui t'arrive. À chaque fois, c'est un problème. Ce n'est pas ma faute, hein. Je suis tranquille comme ça et les problèmes viennent me chercher. Mais ça ne sert à rien de t'asseoir sur la rue comme ça et de t'asseoir et être en train de... C'est les problèmes qui me font asseoir, hein. J'ai des problèmes qui ont chaise. Je suis tranquille comme ça, problème vient me chercher comme ça. Problème vient sur moi, ce n'est pas de ma faute, hein. Mais ça ne sert à rien. Moi, je peux t'aider. Ah bon? Oui, moi, je peux t'aider. Mmh. Moi, je connais un marabout qui peut t'aider. Je connais un marabout qui peut t'aider. Un marabout qui peut m'aider? Qui peut t'aider? Oui, au lieu d'être là, chaque fois, t'asseoir sur le trottoir et d'être en train de... Un marabout qui peut m'éloigner des problèmes. Allons-y. D'accord. Bonjour, grand maître. Je sais déjà pourquoi tu es là. Les problèmes. C'est ça. Des soucis. C'est ça. Beaucoup de soucis. C'est ça. Ne te t'affaire pas. J'ai la solution. Oh, tu n'as pas besoin d'argent. Ah bon? Il suffira juste de rester quelques mois avec moi en stage. Et tous tes problèmes vont disparaître. Un stage, ici. Quelques mois seulement. Je suis prêt. Tu es prêt? Tu n'auras plus jamais de soucis dans ta vie. C'est ça. Je veux que les problèmes s'éloignent de moi, grand maître. Oh! Afiavi! Afiavi! Oui, papa. Et c'est au moins comment demain. Ok, papa. On est de retour. C'est ça, papa. Tes problèmes, c'est du passé. C'est ça. Tous tes soucis, c'est terminé. C'est ça. Ce sont mes ennemis qui m'envoyaient les problèmes. Hein. Mais maintenant, avec ce qu'on vient de faire, c'est fini. Merci beaucoup, papa. Merci de m'avoir aidé. Afiavi. Dorénavant, moi, il n'y a plus de problèmes. Donc, je vais demander à Patty. Hein? Comme je n'ai plus de problèmes. Ah, on ne veut pas te gêner, papa. Afiavi. Ne te gêne pas. Oui, papa. Afiavi, c'est quoi ça? Peut-être ce sont les divinités qui l'ont enceinte. Hein. Ça, c'est grossesse des divinités, ça. Il faut faire échographie, vous allez voir ça dedans. Mais elle va parler, elle va s'expliquer. Afiavi, qui t'a enceinte? Papa, moi, je vais demander à Patty. Vous allez régler ça en famille. C'est lui. Hein? C'est lui. Mon violon doit. C'est. Adigma violon doit. Fumitoa, ce n'est pas de ma faute. Hein? Je vous avais déjà dit que j'avais les problèmes. J'avais des soucis? Je vous avais dit. Comment ça tu es? Je vous ai dit que j'avais les problèmes. Tu as 5 filles de marabout. Ce sont mes ennemis. Marabout qui t'aide en plus. Ce sont mes ennemis qui font ça, hein, papa. Hein? Pardon. Tu vas te détruire. Oh, pardon. C'est juste la tête, j'ai mis. Qui enseigne ma fille? Oh. Moi, je t'aide. Oh. Tu es enceinte, fille de marabout. J'ai porté préservatif. Ça n'est pas ici.